Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas stream. Et pardonnez d'avance ma piètre qualité. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici, c'est la fournaise. On va pas se le cacher, je pense, comme chez beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à bien vous hydrater, surtout, c'est important. On se retrouve donc ce soir pour eh bien, la première manche de l'Ultimate Cup by SRC, un championnat un petit peu particulier. On va voir le calendrier là tout à l'heure. D'ici 2 minutes, on va arriver sur la mise en grille. On va, je pense, tout de suite vous switcher sur eh bien, tout simplement sur ce qui va être le théâtre de ce soir, puisqu'il s'agit du circuit de Donington. Et je vous laisse une petite présentation. Je vais couper la musique. En tout cas, la baisser. Donc, circuit de Donington, vous allez le voir ce soir en GT3. On verra avec le calendrier, ça va être pas mal chamboulé sur tout ce championnat. Coucou Anagravision, coucou à Crototon et Max Dogbé, bienvenue à vous, installez-vous. Prenez place dans les tribunes. Donc circuit de Donington en GT3, eh bien pas de soucis Gary, bonjour à toi. J'étais à 2 doigts de ne pas caster puisque j'ai dû reboot en urgence il y a 2 minutes. Mais pour l'instant ça a l'air de tenir, donc on va croiser les doigts que ça reste comme ça. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, les voitures sont déjà en train de s'échauffer sur la dernière minute de ce free practice avant d'entamer tout de suite la course. Ensuite, on va voir la grille ensemble pendant la mise en grille ainsi que le tour de formation. On va d'abord commencer tout simplement eh bien, par tout simplement. Attends, je vais juste effacer ça. Hop. Voilà.
Non, c'est pas. J'ai dit que je voulais pas ça, merci. Et donc je disais le calendrier, puisque le calendrier que vous allez voir, eh bien, à l'image dans quelques instants, c'est le calendrier qui va nous accompagner sur, enfin, qui va vous accompagner, puisque je suis en intérim pour ce soir. Le calendrier de ce championnat. Comme vous pouvez le voir ce soir, c'est un choix libre en catégorie GT3 sur Donington. On va revenir après sur le format de qualif, ne vous inquiétez pas. La Nissan GT-R dans 15 jours sur le circuit de Watkins Glen. Suivi de la Ferrari Challenge sur le Nürburgring le 8 octobre. Ensuite, vous allez avoir Zolder en BMW M2 le 15 octobre, la Lamborghini Super Trofeo Evo 2 le 5 novembre sur Monza, la Ginetta en GT4 sur le circuit de Brands Hatch pour le 19 novembre et la Porsche Cup sur le circuit de Houlton Park pour le 26 novembre. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les choix de combo circuit voiture ont été faits par tirage au sort. Peut-être que Gary pourra plus nous donner d'informations là-dessus, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que oui, voilà, c'est ça, exactement. Coucou à Raiko également. Donc c'est bien ça, circuit et combo avec voiture, choisi complètement aléatoirement par tirage au sort. Et ça, c'est rigolo, c'est ça qu'on aime également dans la course automobile. Je vais vous présenter rapidement le petit les inscrits tout simplement qui sont sur ce championnat. On verra après du coup pour le tour de mise en grille. On devrait pas tarder, je pense, à avoir la mise en grille. Si on fait ça, et ben c'est la mise en grille tout de suite. Super. Donc on a 3 minutes pour vous présenter la suite des événements. Donc le classement toujours comme d'habitude chez SRC, classement par catégorie pro, catégorie semi-pro et catégorie amateur. Vous avez 34 voitures inscrites sur ce championnat. Elles ont toutes été déterminées dans leur classe suite à leur préqualification qui ont eu lieu sur le circuit de Valence en Alpine GT4 et sur le circuit de Donington en choix libre GT3. Chaque meilleur temps de ces deux circuits a été additionné pour déterminer eh bien, la position de la grille de départ de ce soir que l'on va voir juste après. Je vous laisse prendre connaissance rapidement de ce classement général avec pour le top 3 de chaque catégorie. Eh bien, en catégorie pro, nous avons Nicolas Sachaud, Johan Morquant et Thomas Baranowski. Nous connaissons Johan Morquant et Thomas Baranowski des précédents championnats. Nicolas Sachaud qui est un petit nouveau, si je ne dis pas de bêtises, sur les championnats SRC, et qui a obtenu la pole position sur ce circuit de Donington. On verra les chronos après. Ensuite, Johan Maton, Fabien Nouguier et Benoît Clerc pour la catégorie semi-pro. Et enfin, Mathieu Despierres, Ben Onoff et Eric Diaboloum pour le top 3 de la catégorie amateur. Et yo Metawesh, Nicolas est le GOAT. Eh bien, nous allons avoir 1h30 pour le constater. 1h30 qui seront, eh bien, comme on l'a vu sur le calendrier que je vais vous afficher tout de suite, vous avez un pit obligatoire avec refuel impératif sur cette course de 90 minutes qui devrait pas trop tarder à commencer. Et on va prendre du coup connaissance ensemble. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 2 minutes 30. Ça va, je me suis pressé peut-être un petit peu pour rien, mais c'est pas grave. La préqualification, du coup, vous l'avez à l'œil. Il s'agit eh bien de. Je me suis trompé, j'ai affiché les mauvais trucs. Hop là. La préqualification. Donc, vous avez Nicolas Sachaud qui a fait eh bien les deux meilleurs temps, j'ai l'impression, sur le circuit de Brands Hatch, de Donington, pardon, en GT3 et en Alpine sur le circuit de Valence, pour un temps qui est seulement à 2 dixièmes de Johan Morquant, un temps cumulé hein, pour cette grille. Temps cumulé, du coup, 2 dixièmes plus rapide, à peine 2 dixièmes plus rapide que Johan Morquant. Thomas Baranowski, lui, est un petit peu plus loin derrière, à 3 dixièmes. 3 dixièmes et demi, on va dire. Franck Nada en 4e position, Jean Barque en 5e, Nicolas Chantioux
Il y a un problème. Attendez. Non, c'est moi qui ai un problème. Nicolas Chantiou, du coup, en P6, Teddy Raoult en P7, Jordi FRT en P8, la P9, Valentin Barrault, Aurélien Fontenat sera en P10, José Solé en 11e position, suivi de Johan Maton pour l'ouverture de la pole, si je puis dire, en semi-pro. Fabien Nouguier, donc, en 13e position, deuxième des semi-pro, Benoît Clerc 14e, William Gauzan 15e, Le Knight en 16e place, Luke Skyplayer en P17, Chris Despierres en 18e, Gary Hobson en 19e, Sam Fischer P20, Georges Abibold en 21e place, suivi de Marvin Nagy en 22e. Et j'ai perdu mon chat, et c'est bon, il est revenu. Et coucou Diaboloum, merci pour vous les pilotes, bonne course à vous tous. Donc Marvin Nagy pour la 22e position et le dernier en semi-pro. Nous avons ensuite en 23e Mathieu Despierres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la première place en amateur. Ben Onof en 24e, Eric Diaboloum 25e, Philippe Lardy en 26e place, Gérard Lambin P27, Marc Fournier en 28e, Mario Rio en 29e, Martin Libert, Martin Libert, il est là, P30, Mathieu Clouet P31, Loïc Ténitri en P32 et Hervé Boutin en P33, alors que le tour de formation vient de démarrer, vous pouvez le voir derrière. On va en profiter pour faire un rapide track walk de ce circuit Donington pour regarder ensemble eh bien, les virages et secteurs que nous allons avoir à parcourir et que les pilotes vont avoir eux à parcourir. Et merci pour les follow, je vous ferai un gros bisou après. Donc vous avez le virage 1 de Redgate, suivi d'un secteur très sinueux en dévers, Craner Curves. On enchaîne ensuite sur un petit droite pour attaquer le secteur 2. Secteur 2 qui eh bien, verra le virage de McLean, virage en un petit peu en hauteur. On se fera un tour en onboard tout à l'heure de toute manière. Ensuite, on arrive à Coppice, puis le début du secteur 3 avant la chicane des S, et enfin le Melbourne Hairpin pour l'une des deux dernières épingles et dernier virage de ce circuit de Donington. J'espère que vous avez eh bien, pris connaissance de tous ces virages. Je ne les ai pas retenus, donc nous allons eh bien, tout de suite terminer ce tour de formation. Je vais reprendre mon petit bidule ici. On se met sur le P1 qui a le rythme. Et je vous laisse profiter du départ. Je m'hydrate quelques instants. À votre gauche, donc Nicolas Sachaud avec sa BMW blanche et noire, supputée de quelques lignes de jaune, qui va donner le départ incessamment sous peu. On va vous faire une petite vue en hélico, ce sera à mon avis plus sympathique. Et le départ qui est donné pour cette première manche. Nicolas Sachaud qui fait un bon premier virage. Johan Morcan avec sa BMW qui. Eh bien. J'ai oublié de vous mettre. Hop là, voilà. Mais déjà un premier contact, mais on a vu derrière aussi quelques voitures qui. Teddy Raoult, j'ai l'impression là, qui a bien défendu sur Jean Barque. Et déjà tous les petits plots, les pauvres petits plots qui n'ont rien demandé.
On va aller un peu plus derrière. On a une bataille là à l'image entre Yohan Maton et José Solé. José Solé qui passe avec sa BM rouge, mais la meilleure relance sur la sortie de virage pour Yohan Maton. Attention, l'intérieur est à l'avantage de la BMW pour cette longue ligne droite qui va réussir à sortir son épingle du jeu pour le freinage de la chicane. Intérieur, avantage pour Yohan Maton sur sa Lamborghini. Ça se respecte, ça se frotte un petit peu, ça se renifle bien le pare-choc, mais pour l'instant, position sécurisée P11 pour Yohan Maton. Et on a eu un dépassement derrière de Lux Kleppeyer sur Sam Fischer également. Beaucoup de positions là, ça va. Oh, on a un drapeau jaune. Effectivement, on a une voiture de Nicolas Chantiou qui est à l'arrêt malheureusement. Et j'ai pas eu le temps de cliquer sur lui, qui perd énormément de positions, Nicolas Chantiou. Qui va repartir plutôt loin dans le peloton. Il repart 31e. Alors, où est-ce que nous avons des batailles? Ici, Benoît Clerc sur José Soldé. José Solé, pardon. On a également un petit. Veuillez m'excuser pour ce bruit de pétard qui surprend toujours. Il y a des batailles un petit peu partout. Ça va être compliqué de suivre au début, je pense, toutes les batailles. On va essayer de montrer toutes les voitures, bien sûr. Gérard Lambin, José Abibold, Georges Abibold, pardon. Et Marc Fournier, là, à l'image, pour essayer d'avoir cette P24. Non, c'était pas celui-là, voilà. Donc à l'image, hein, Marc Fournier qui essaye de défendre sur la Ferrari de Gérard Lambin. On a eu un dépassement également pour la P15, Chris Despierres avec le Knight. Ça a l'air de se tasser. Valentin Barrault qui vient de... Les caméras sont vraiment à chier. Désolé, beaucoup de zoom. Et Aurélien Fontenac qui prend un peu large sur cette sortie de virage là dans la dernière épingle. Toc toc toc. Ça on s'en fiche, voilà. Parfait. Ah, attendez, j'ai un petit souci sur mon tower. Bougez pas. Je vous change ça tout de suite. Hop là. Et voilà. Excusez-moi. On a un drapeau jaune, Mathieu Clouet, malheureusement Mathieu Clouet qui a terminé dans l'herbe. J'espère qu'il n'y a pas eu de contact pour lui, je ne vois pas de contact signalé en tout cas avec sa voiture. On a eu un contact par contre entre Marc Fournier et Gérard Lambin. Toujours en bataille d'ailleurs ces deux voitures. Et double drapeau jaune pour Lux Kleppeyer là et le Knight. Il y a une petite sortie de piste, attention sur les retours en piste. Ça peut générer des avertissements pour off-track. Et toujours la bataille, hein, Marc Fournier, Gérard Lambin. On a Nicolas Chantiou là sur le premier plan qui a dépassé Martin Libert. Et on a une Audi Martin Libert justement qui essaye de trouver une opportunité de dépassement sur Nicolas Chantiou et sa McLaren. Non, c'était pas ça, c'était ça. Et j'ai encore perdu mon chat. Des batailles un petit peu partout à l'image, la Jordi FRT sur Franck Nada.
Ça a l'air de se tasser un petit peu, la seule bataille. Ah, on a un dépassement de Nicolas Chantiou. À l'image. Nicolas Chantiou qui a dépassé Georgi Habibold, à mon avis, qui était signalé en drapeau blanc. Et Monsieur Porro, bien le bonjour. Le Knight et Mario Rio. Dépassement validé pour le Knight avec sa McLaren bleu et rouge. Rouge et bleu, comme vous le souhaitez. McLaren numéro 60. En termes de bataille, Mario Rio aussi allé en drapeau jaune. Que se passe-t-il, Mario Rio? Non, ah, oui, attention, Mario Rio. Là, possiblement un DSQ sur cette grosse coupade. Et oui. Et oui, Mario Rio, c'est un DSQ, malheureusement. Alors que le Knight, on a vu sur l'image. Attends, what? Ah non. Oula, oui. Nicolas Chantiou à l'image qui vient de dépasser Gérard Lambin. Valentin Barrault à la chasse d'Aurélien Fontenat. McLaren contre McLaren. Ça a l'air de se calmer un petit peu par ici. Voilà, on va aller une petite bataille à 3 entre Fabien Nouguier, José Solé et William Gauzon. William Gauzon qui a été un petit peu largué sur la sortie de cette chicane. On arrive bien dans l'échappement là pour la BM de José Solé. Ça a l'air de s'être un petit peu calmé alors que Mathieu Clouet vient de réaliser un dépassement là sur Hervé Boutin. Jordi Fert est toujours à l'attaque sur Franck Nada. Ça essaye de se montrer dans le rétro pour intimider peut-être. Oh, ça s'est touché malheureusement entre les deux pilotes. Et ça va s'attendre. Ils auront perdu quelques positions, mais au moins ils sont repartis comme ils étaient arrivés sur cette épingle. Ça a rebattu un petit peu les cartes suite à cet incident. Euh,
Fabien Nougui est sur cette McLaren Sky à la chasse de Benoît Clerc, juste devant lui dans sa Ferrari numéro 677. Oh, ça a pris un petit peu large pour Fabien Nougué qui va perdre un peu de terrain. Valentin Barrault sur Aurélien Fontenat, toujours ce duel hein, de McLaren. Et oui, Nicolas Sachaud là qui a pratiquement 5 secondes 5 d'avance sur Johan Maton. Oh, ça a pris large pour Aurélien Fontenat, ils vont se retrouver côte à côte. Bien rattrapé en tout cas sur la relance. Et on a eu un dépassement à l'image là, à l'épingle de Melbourne, entre Philippe Lardy sur sa voiture numéro 10, couleur qui ressemble un peu aux couleurs alpines pour la voiture de Philippe Lardy, et Mathieu Despierres avec la voiture rose au premier plan. Deux voitures signalées en drapeau blanc. Faut faire quelque chose avec ces TV1 là qui zoom. Dans la jante, Jordi FRT qui est passé sur José Solé et qui continue, qui va essayer de remonter sur Franck Nada pour essayer de revenir faire une bataille comme on a vu tout à l'heure. Gérard Lambin juste derrière également qui remonte tout doucement sur cette Alpine Ferrari. Numéro 10. Luke Skyler qui essaye de s'immiscer entre les deux également. On a un trio. Et Luke Skyler pardon, qui va arriver à récupérer deux positions là sur ce move. Et c'est une P22 pour la McLaren bleue et jaune. On a également Georgia Bibold hein, derrière avec sa. Saudi.
William Gauzan dans l'échappement de Benoît Clerc. Pour info, en termes météorologiques, pour l'instant il fait beau comme vous pouvez le constater, pas de changement à prévoir. Piste à 37 degrés pour une température de l'air à 29. Ça me paraît cohérent vis-à-vis des températures qu'on a en ce moment. Et le Knight qui est signalé en drapeau jaune. Marvin Nagy et Ben Onof au Lux Capeller qui vient de faire un dépassement supplémentaire sur Mathieu Despierres. Vous l'avez vu dans le tower, hein, la position de Lux Capeller est... enfin le nom pardon, de Lux Capeller est passé en vert, Mathieu Despierres en rouge. Il y a eu donc dépassement et échange de position entre les deux comme Nicolas Chantiaux et Gary Hobson à l'instant. Sam Fischer et Chris Despierres. Attention le freinage de l'épingle de Melbourne. Gary Abibold et Philippe Lardy viennent de changer de position l'un et l'autre. Compliqué de tout voir. On a Martin Libert qui est au pit, signalé au pit. Et je rate toutes les batailles. Franck Nada qui vient de céder face à Jordi FRT. On l'a vu tout à l'heure hein, au même endroit. Ils ont eu un contact quelques tours auparavant. Et cette fois-ci, c'est validé pour Jordi FRT qui récupère la 10e position sur Franck Nada. Il y a également eu Fabien Nouguier juste au-dessus avec Johan Maton qui se sont échangés les positions. Philippe Lardy et Gérard Lambin qui viennent. Ouh, ça prend un petit peu large là, ça a voulu essayer de compenser la réaccélération un petit peu manquée, je pense, sur la sortie de la première épingle. Et du coup, ça profite à Gérard Lambin pour creuser déjà un petit écart de 1 seconde. Je n'ai pas fait le tour, mais on va regarder rapidement sur les constructeurs automobiles, même s'il n'y a pas de classement constructeur. Je suis curieux de voir un petit peu les voitures engagées. Nous avons pour l'instant 2 BM en première position, une McLaren, une autre BM, une Porsche en P5, 3 McLaren, 3 BM, 3 McLaren, beaucoup de McLaren j'ai l'impression sur cette première manche. Le choix était libre, on le rappelle hein, bien évidemment. Il sera imposé sur les prochaines manches. Et Benoît Clerc qui vient de passer sur José Solès ainsi que Sam Fischer et Chris Despierres juste en dessous au niveau de la petite tour. Et bel échange de position à nouveau.
Il y a des batailles un petit peu partout. Excusez-moi de ne pas pouvoir les montrer. Genre BFRT cette fois-ci sur Johan Maton dans son échappement. Forcément, le barbicolé est toujours présent. Je me pose juste une petite question rapide. Ah oui, le dashboard est effectivement décalé. Comprendra qui voudra, bien évidemment. Valentin Barrault, Aurélien Fontenat toujours en bataille depuis tout à l'heure. Ça se cale un petit peu dans l'arrière du peloton. Chris Despierres peut-être là, oui, avec Sam Fischer. Belle bataille là entre tous ces pilotes. Ah, Sam Fischer, Chris Despierres, Benonov derrière en spectateur, peut-être qui attend une erreur de l'un des deux pilotes devant lui pour essayer d'en profiter. Peut-être Jordi Ferté au freinage, non, il est encore un petit peu loin. Il se montre dans les rétroviseurs de Johan Maton. Il se fait pesant et menaçant avec ses grosses narines de BM. Oh, intérieur peut-être, la réaccélération à l'avantage de la Lamborghini, également située à l'intérieur pour le prochain virage. Ça tente de décroiser, ça se respecte pour l'instant. Ça fait les affaires de Franck Nada derrière qui reste collé à ce duo. Sam Fischer et Chris Despierres. Toujours avec Benonov derrière en spectateur. Et pour l'instant, ça prend un petit peu large. Et Benonov qui va essayer d'en profiter à la réaccélération peut-être sur cette ligne droite des stands. La McLaren face à la BMW. Je pense que ça va. Il va manquer un petit peu de puissance pour Benonov. Et Jordi FRT peut-être au même endroit que la bataille avec Franck Nada. Il se positionne bien à l'intérieur, va bien remonter sur la Lamborghini, freine tard. Est-ce que ça va suffire à la relance? Il se décroise avec Johan Maton. Mais meilleur positionnement pour la BMW cette fois-ci à l'intérieur pour le prochain virage. Ça tente, j'ai l'impression, une double apex pour Jordi FRT. Et pour l'instant, ça a l'air de se passer comme il faut pour lui, puisqu'il prend la 9ème place de cette course. Il reste encore 1h05, donc rien n'est fait. Mais c'est une P9 pour le pilote RST, si je ne dis pas de bêtises. Alors que les premiers drapeaux bleus sont en train de se montrer. Et oui, il y a eu un petit contact là avec un retardataire. Il s'agit de Rio Mario, j'ai l'impression. Aïe, oui, je compatis. Bon courage avec ces grosses merdes pour ce pilote de la numéro 81 qui est ici, le pilote de la numéro 81. On lui donne toute notre force.
Et ça rentre dans les stands, j'ai pas vu pour qui. J'ai l'impression que c'est Hervé Boutin qui rentre dans les stands. Donc je le rappelle, hein, il y a un pit obligatoire ce soir. Avec refuel impératif. Ah, je compatis, je déteste ces trucs là aussi. Et je pense que j'aurais été du même style, voire à partir en courant très vite en plus. Une action bien évidemment tout à fait virile et remplie de testostérone. Benonov qui est signalé en drapeau blanc, il a perdu deux positions. Marvin Nagy et Sam Fischer ont profité de ce drapeau blanc. Benoît Clerc qui vient de dépasser José Solé. Rio Mario signalé en drapeau jaune, un petit peu au ralenti. Alors si vous voulez, je peux vous donner le tips parfait pour vous occuper des frelons asiatiques. Mais d'abord, on va regarder cette bataille entre Aurélien Fontenat avec cette McLaren aux couleurs Sky numéro 22 et la voiture McLaren également de Aurélien Fontenat numéro 95. Pour l'instant, ça se respecte un petit peu. Ça s'est touché, j'ai l'impression. Non, pas, j'ai pas eu d'alerte. Et derrière, on a Valentin Barrault également. 3 McLaren là pour essayer de récupérer et de se bagarrer pour cette P6, alors que Franck Nada et Johan Maton. Franck Nada vient de réaliser le dépassement sur Johan Maton. Alors je voudrais émettre un message pour José Solé avec sa BM aux couleurs McDonald's. Malheureusement ce soir c'était Burger King, donc la livrée ne correspond pas. Je vais voir avec Gary Hobson pour une potentielle disqualification. A minima une perte de points. C'était une boutade hein, bien sûr. Vous êtes libre de manger où vous le souhaitez. Mais attention, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On revient sur notre bataille avec Aurélien Fontenat et Fabien Nouguier. On va se faire un petit onboard là dans cette McLaren numéro 22. Et dépassement, j'ai l'impression, réalisé, oui, par Fabien Nouguier. William Gauzan, José Solé, BM contre Aston Martin. Est-ce que pour manque de goût, exactement, tout à fait. Après, bon, sérieusement, comme je le disais, hein, vous faites ce que vous voulez.
Oh, une petite bataille à 3 ici. Et Jordi FRT qui continue hein, sa progression dans le classement. Également une bataille à 3 ici à l'image. Philippe Lardy, Marc Fournier et Mathieu Clouet dans l'ordre des voitures pour cette 24e position détenue pour l'instant par Philippe Lardy et sa Alpine Ferrari. Feralpine, voilà, ce sera Feralpine. La Feralpine numéro 10 de Philippe Lardy. Ouais, c'est un peu partout là. On va revenir sur. Ouh, oui, on va rester là pour l'instant, j'ai l'impression. On va vite fait jeter un oeil sur Sam Fisher et Marvin Nagy. Nagy, Nagy, je ne sais pas. Et c'est quand je pars qu'ils échangent leur position. Messieurs, s'il vous plaît. C'est pas gentil. Revenons sur cette bataille pour la P24. Oh, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Philippe Lardy et Marc Fournier. Et ça profite du coup à Mathieu Clouet qui était spectateur. Qui va même s'envoler déjà d'une belle seconde. Gary Hobson là qui est au pit. Oh, Ben Onoff signalé en drapeau jaune. On va revenir 10 secondes en arrière. Attention, petit freeze. Que s'est-il passé pour Ben Onoff? Ah, dommage. Il a pris un petit peu, ouais. C'est dommage. Mais plus de peur que de mal, il ne touche pas le mur. Et donc, va pouvoir repartir sans dégâts supplémentaires sur la voiture. Attention, derrière, on a des voitures qui arrivent très vite. C'est un secteur qui est relativement rapide, ce secteur, là, cette fin de secteur 1. Ouais, ça bataille un petit peu, c'est cool. Là il commence à avoir des gaps un peu d'une seconde à droite à gauche. De toute façon vous pouvez le voir hein, sur l'interface. Vous avez eh bien à côté des numéros des pilotes leur gap respectif entre chacun d'entre eux. Donc le gap, la valeur représente l'espace avec la voiture de devant. En rouge, comme vous avez ici pour Jordi FRT, c'est que la voiture est à moins de 5 dixièmes de celle qui est devant elle. Et donc qu'une bataille est à venir. En orange, on est entre 0,5 et 2 secondes. Et quand c'est en blanc, eh bien on est à plus de 2 secondes. Donc pas de
pas spécialement besoin de regarder pour l'instant. Donc les voitures les plus proches à l'image. Genre des FRT1 qui vraiment remonte depuis tout à l'heure. Je peux vous mettre également les positions gagnées perdues depuis, depuis le début. Et on voit hein, que... Jordi FRT a gagné qu'une position. Il y a un bug dans la matrice. Et Fabien Nougui, en tout cas avec qui il se bataille, cette McLaren Sky, lui en a gagné 7 des positions. Yoann Maton et Franck Nada également devant qui sont en bataille. Et ça pite pour William Gauzan qui, vous le voyez, perd des positions. Mais c'est normal, je le rappelle, hein, un pit obligatoire avec refuel minimum. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, changer vos pneus, boire un café ou autre chose. Ça pite également pour Gérard Lambin. Oh, drapeau jaune d'Aurélien Fontenat. Aïe, 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 que s'est-il passé? Est-ce qu'on va voir l'image? Oh oui, il y a eu un gros contact là malheureusement avec Franck Nada. Malheureusement la voiture est bien esquintée. Et du coup ça nous arrange pas pour notre bataille. Oh, c'est moi ou il y a eu un... Non, c'était moi. On va essayer de vous suivre ces deux batailles en même temps. Ça va être une petite chorégraphie de switcher de l'un à l'autre. BM face à McLaren. Pour cette P6. On a également Teddy Raoul là, qui est bien remonté sur Thomas Baranowski. Et Luc Tenitri qui vient de prendre une position sur le Knight. Sam Fischer qui est au pit. Thomas Baranowski qui est au pit également. On va revenir sur la bataille là pour la P6 entre Jordi FRT et Fabien Nouguier. Le ballet des stands hein, qui a commencé, il reste 50 minutes de course sur cette première manche de l'Ultimate Cup. Aurélien Fontenat, Luke Skyplayer en bagarre, dépassement de Luke Skyplayer sur le freinage du premier virage, mais pour l'instant Aurélien Fontenat qui ne se laisse pas abattre et qui va profiter de ce secteur sinueux pour prendre l'avantage. Thank you.
attention aujourd'hui à Ferté là qui a voulu tenter je pense une manœuvre et malheureusement qui n'a pas réussi et qui va perdre du terrain sur Fabien Nouguier. Je ne doute pas qu'il revienne sur lui incessamment sous peu. On va aller voir Marc Fournier là. Oh attention le contact, on va revenir quelques secondes en arrière. Et oui, contact avec, avec Philippe Lardy. Malheureusement. Cette pauvre Feralpine hein, qui en a vu des vertes et des pas mûres. Et du coup, est-ce que il va pouvoir reprendre la position? Je ne pense pas. En tout cas, pas pour l'instant. ABM qui est bien, bien abîmé là sur le. Sur les images que vous voyez. Luke Skyplayer. Peut-être en bataille. Marvin Agui qui a récupéré la P12 sur Chris Despierres. Et on a eh bien 3 pits là de Johan Morcan, Teddy Raoult et Jean Barc qui sont au stand. Ce qui va laisser le champ libre pour l'instant à Nicolas Sachaud. Oula. Ah non, c'est Jean-Barc là qui sort des stands. On a Fabien Nouguier donc qui rentre au stand de Franck Nada également. Pour l'instant tout le top 10 hors Fabien Nouguier et Franck Nada n'ont pas fait d'arrêt au stand. Allez, si yes, Ion Morcan là qui récupère des petites positions. Je suis pris d'un coup de chaleur qui casse bien l'énergie. Et petite bataille là, dépassement d'ailleurs effectué par Teddy Raoult sur Chris Despierres. Mais Teddy Raoult lui a fait un arrêt au stand de Chris Despierres, on n'en a pas encore fait. Je vais vous mettre les nombres de pit stops. Hop là, effectués par les différents pilotes. Jean-Barc là qui va prendre une position sur Je vais y arriver sur Georgia Bibold.
Mais comme vous pouvez le voir, Georges Abibol n'a pas fait d'arrêt au stand, contrairement à Jean-Barc. Ça rentre au stand pour... Ça va trop vite, ça défile trop vite. Beaucoup trop de positions qui s'échangent. Et arrêt au stand du leader, Nicolas Sachaud. Et voici le deuxième actuel de la course, deuxième provisoire puisqu'il n'a pas effectué d'arrêt au stand. Il s'agit de Benoît Clerc sur cette Ferrari numéro 677, suivi par Johan Maton et José Solé. Eux-mêmes n'ont pas fait d'arrêt au stand. Ça ne saurait tarder, je pense. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Parce que j'ai la chaleur du PC plus la chaleur de l'appartement là qui sont en train de m'anéantir littéralement. Petite bataille là pour la P10 entre Fabien Nouguier et Georges Abibol, sachant que Fabien Nouguier lui s'est arrêté avec cette McLaren Sky numéro 22, Georges Abibol de la Audi. Numéro 42 ne s'est pas encore arrêté et pour l'instant, eh bien, ça va être une position de récupérer. Tout le monde a fait à peu près un arrêt. Il manque Marc Fournier en P23 qui n'a pas fait d'arrêt au stand. Également à l'image Jordi Abibol, pardon, qui n'en a pas fait une. Crise des pierres ainsi que le top 3 provisoire actuel. Benoît Clerc, Yoann Maton et José Solé. Crise des pierres qui s'arrête au stand justement. Georges Abibol à l'image qui continue. Pas trop de bataille pour l'instant.
Et Benoît Clerc, qui était troisième, vient de s'arrêter. Un des derniers à ne pas encore avoir fait d'arrêt au stand. Une petite bataille là pour Mathieu Clouet. Peut-être au freinage sur Marc Fournier. Ça passe où? Ça a failli se toucher. J'ai l'impression. Petite frayeur, je pense, pour la BMW de Marc Fournier. Qui du coup doit céder cette 23e place au profit de Mathieu Clouet. Georgia Bibold qui ne s'est toujours pas arrêté pour l'instant, ainsi que Johan Maton et José Solé. Où est-il, Philippe Lardy? Ici, on va revenir un peu. Il est sorti tout seul, j'ai l'impression. Ah non, il y a eu contact, malheureusement. Ah, pauvre, hein, pauvre fer alpine. Une bataille ici pour la P25 entre Marc Fournier, qui du coup ne s'est toujours pas arrêté, et le Knight. Ça sort un petit peu large là pour essayer de laisser passer les copains, j'ai l'impression. Thomas Baranowski et Teddy Raoul pour la P5 provisoire, hein, je le rappelle, toujours les deux premiers actuels qui n'ont pas été au stand encore. Donc c'est virtuellement une bataille pour la P3 entre les deux pilotes. De la VDK pour les deux à l'image. Et on a Georgia Bibold qui est signalé en drapeau jaune. Ça a l'air de bien se passer. Non, j'ai dit que c'était. Non, ils sont pas de la même VDK les deux. En tout cas, Teddy Raoult, je ne sais pas, mais Thomas Baranowski, en tout cas, oui.
Chris Despierre, Gary Hobson pour la P15. Et on va profiter du trafic pour essayer de prendre un avantage sur son adversaire, mais ça ne passera pas pour l'instant. L'adversaire, oui, malheureusement, qu'il y aura eu contact. Il s'agissait d'Aurélien Fontenage, j'ai l'impression. Et Gary Hobson qui s'est fait dépasser par Chris Despierre dans le virage 1. On va voir si on peut revenir un petit peu en arrière. Ouais, sortie du virage 1. Ça a un petit peu glissé, j'ai l'impression, pour la Porsche, là. La numéro 224. Et ça profitera, du coup, à Chris Despierre. Mais Gary Hobson qui... Oh, Chris Despierre qui... Bah, je suis revenu en arrière trop tôt. Puisque Chris Despierre a perdu deux positions. Allez, Nicolas Sachaud, le leader virtuel, qui va reprendre une position sur José Solé, qui ne s'est pas encore arrêté au stand. Mathieu Clou et Chris Despierre. Également une position de changer entre Mario Rio et Marc Fournier. Marc Fournier qui vient de sortir des stands, j'ai l'impression. On va revenir sur cette bataille. Contact là entre le Knight et Mathieu Despierre. Et la commission sera faite après course, si je ne m'abuse, par Gary Hobson. Et Mathieu Sachaud qui récupère son dû, qui est à la première place. Monsieur Moustache, bien le bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a une grosse baisse de rythme pour Gary Hobson sur sa Porsche. Parce que là, cette fois-ci, c'est Luke Skyplayer qui est en train de remonter. Ah, le tracé de Donington, une merveille. Et Georgia Bibold qui s'est arrêté au stand. Il ne reste donc plus que Johan Maton et José Solé en P2 et P3 à ne pas s'être arrêté pour l'instant. Un joli petit train que nous est proposé là par Gary Hobson. Luke Skyplayer, Chris Despierre, Sam Fischer. Oh là, il y a eu une petite mésentente sur... Oui, une grosse mésentente là entre plusieurs pilotes malheureusement. Encore une fois, je pense que la commission aura du pain sur la planche à l'issue de la course.
Mathieu Clouet sur la BM, Mathieu Despierres sur la McLaren, et c'est Mathieu Clouet. Bataille de Mathieu. Ils se sont repositionnés dans l'ordre alphabétique. Benonoff sur Chris Despierres. On a une belle brochette là de trois voitures. Marvin Agui sur Mathieu Despierres. Un duel fratricide de McLaren. Et Aurélien Fontenat qui sort des stands pour la troisième fois de cette course, malheureusement. On l'a vu, une voiture un peu en difficulté, pas mal de contacts. Belle bataille en tout cas que nous proposent ces pilotes pour la P15. Deux batailles, trois batailles en perspective. Thomas Baranowski, Teddy Raoul sur Johan Morcan pour la P4. À l'image, on a vu tout à l'heure pour la P15 Chris Despierres, Benonoff et Luke Skyplayer. On a également Mathieu Despierres qui va essayer de défendre sur Marvin Agui avec un Le Knight derrière en embuscade pour la P21. On va essayer de vous montrer tout cela. Et on en a raté puisque à l'image, Benonoff vient de passer sur Chris Despierres, ça s'échange les positions un petit peu. Ça s'est touché, j'ai l'impression. Et ça rend des positions. Marvin Agui et Mathieu Despierres qui viennent, quant à eux, d'effectuer leur dépassement.
Ouh, ça s'est rabattu un petit peu proche, j'ai l'impression. Loïc Tenitri et Georgia Bibold au freinage de l'épingle. Ça ne passera pas pour l'instant. William Gauzan, Benoît Clerc pour essayer de récupérer la 12e position. Cette Ferrari numéro 677 sur la Aston Martin 666 de William Gauzan. Pour l'instant, ça ne passe pas. Mathieu Despierre et le Knight, ça ne passe pas. Pas si ça s'est passé, je ne sais plus. Et notre petit trio de tout à l'heure, toujours là. On a également un Chris Despierres hein, derrière avec sa Aston Martin verte et rose. En embuscade. Toujours pas d'arrêt au centre pour Johan Maton et José Solé en P2, P3. On voit la BM hein, qui a peur des retours de flamme de la McLaren. De par ses grandes narines, elle a peur de d'avoir une brûlure, je pense. Et elle perd du terrain, malheureusement, ce qui avantage Luke Skyplayer par contre. Avec sa McLaren aux couleurs IKEA. Thomas Baranowski et Johan Morcan, suivi de Teddy Raoult. Pour essayer de récupérer une position. Et on a José Solé qui s'est arrêté au stand. Hein. Vous le voyez dégringoler dans le tower. Il ressort en P9 pour l'instant.
ça joue de la portière là. Benonoff et Gary Hobson. Et Yohan Maton qui s'est arrêté au stand également. C'était les deux derniers pilotes à ne pas s'être arrêtés. On le voit, Yohan Maton à droite qui ressort à l'instant pour 17 minutes restantes à peine. Yohan Maton qui va ressortir. Est-ce qu'il va ressortir? Oui, loin devant José Solé puisqu'il a loin. Il y a 2 secondes à peu près d'écart. Et belle relance, attention le contact entre Sam Fisher et Luke Skyplayer. Oh, Gary Hobson s'il est en drapeau jaune. Allez, un petit peu coupé la chicane, j'ai l'impression. Mathieu Clou et Marvin Nagy. Oh, ça va avoir une belle relance là, ouais, pour la BMW, effectivement. Un virage mieux orchestré. Et je vous propose un petit tour embarqué avec Thomas Baranowski. On arrive sur l'épingle de Melbourne. Thomas Baranowski dans le trafic, hein, à la chasse sur Johan Morcan juste devant lui. Interrompre là parce que je vois une bataille qui est en train de se dessiner pour la P8 entre Yohan Maton, José Solé et Jordi FRT. On va vous mettre cette belle image là des trois voitures côte à côte. Et ça va passer là pour Jordi FRT, j'ai l'impression, sur José Solé. Il restera plus qu'à aller attaquer Johan Maton pour essayer de récupérer cette 8ème place
dans les 12 dernières minutes. Oh, et ça s'est touché. Il y a eu un petit coup de frein, je pense, de la part de Jordi FRT qui a dû se faire peur en se rapprochant du Honmaton. Et du coup, contact entre les deux voitures. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, je suis perdu, à l'aide, au secours, c'est bon. Tout va mieux. Oh, petite bataille là. Marvin Nagy, Mathieu Cloué. Petit tour embarqué, tant que c'est calme, non c'est pas calme, on revient sur cette bagarre. Est-ce qu'on aura quelqu'un en début du tour? Non. Oui. Teddy Raoult qui va nous emmener sur un tour embarqué que je veux faire depuis tout à l'heure. Virage 1, donc on a vu tout à l'heure. Hein. Sur le petit track walk. Ce secteur là qui va être en descente très sinueux. Virage qu'on passe à fond. Freinage pour le virage droit. On termine le secteur 1, on entame le secteur 2. Cette fois-ci, on remonte. Deux virages à gauche à fond. Puis freinage un petit peu en aveugle. Sur ce droite. Oh, ça glissouille là pour Teddy Raoult. Deuxième petit virage à droite. On enchaîne sur la ligne droite avec la fin du secteur 2 et le début du secteur 3 en direction de la chicane des S. Que voici. Oh, ça sort un peu large là pour Teddy Raoult.
Le freinage pour la chicane, pour la l'épingle Melbourne. Et vous voyez en devant Thomas Baranowski et Johan Morcan en bataille pour la P2. Et le tour est déjà terminé. Un circuit relativement court, mais très intense. Non, c'était bien sur lui que je voulais me positionner. Oh, on a une petite bataille également pour la P22. On va aller jeter un oeil. Bon, ils sont loin. Bon, le jeu, il a craqué son slip. Ah, ça se rapproche pas mal quand même hein, pour The Knight, pour le Knight, pardon. Ouais, ça glisse sur la relance malheureusement, il va perdre toute son avance, le Knight sur Mathieu Clouet. Benonov signalé en drapeau blanc. Ouh, il y a beaucoup de monde là par ici. Et Benonov qui prend un peu large. Ouh, attention le contact là, multiple contact, ça a bien rebondi pour une des McLaren. Et c'est maintenant que vous me faites des batailles. Franchement. Really. Il y a des batailles partout. Bataille pour la P2 là actuellement entre Johan Morcan, Thomas Baranowski et Teddy Raoul. P23 récupéré par Georges Abibold à l'instant sur Mathieu Despierres. Et le Knight toujours dans le sillage de Mathieu Clouet pour la P21. Benoît Clerc également sur William Gauzan pour la P13.
Jordi Aferté sur Yoann Maton, peut-être au freinage de la chic de l'épingle. Non, ça se décale pour défendre l'intérieur. Mais tentative à l'extérieur pour Jordi Aferté qui ne passera pas. Il reste moins de 2 minutes, soit 2 tours max, je pense, pour le leader. En fonction de sa position, il est ici, effectivement, il va rentrer dans son potentiel dernier tour. Au vu du temps qu'il reste. Oui. Oui, ce sera le dernier tour. Ça s'est fait peur et ça sort tout seul pour Yoann Maton, j'ai l'impression. Et c'est une place de gagner pour Jordi FRT. Et le leader là qui est en train d'arriver pour, je pense, ce qui va être son dernier tour, on ne le saura pas. Aussi, il ralentit. J'ai l'impression qu'il ralentit pour ne pas faire un tour supplémentaire. Et c'est terminé. De toute façon, au niveau du chrono, Nicolas Sachaud qui remportera donc cette première manche de l'Ultimate Cup. On va tout de suite retourner sur la bataille là pour la P2, P3, P4. Et ça sera terminé pour cette bagarre. On va vite changer. Avant qu'ils aient terminé, je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression qu'ils aient terminé leur bagarre. Ils étaient juste devant le leader. Dernier tour de bagarre du coup pour William Gauzan et Benoît Clerc à l'image. On a également le Knight là qui lui a terminé. On va revenir sur notre bataille ici. Et malheureusement, la dernière tentative ne fonctionnera pas pour Benoît Clerc. William Gauzan qui terminera donc à la P12 et Benoît Clerc à la P13. Bravo à tous les pilotes. Ouh, attention ouais, de ne pas s'arrêter comme ça sur la ligne. Donc le résultat final, hop là, je vais vous mettre ça comme ça pour l'instant. Le résultat final donc pour les pilotes, eh bien Nicolas Sachaud terminera en première position, suivi de Thomas Baranowski, Johan Morcan P3, Teddy Raoul P4, Jean-Marc P5, Fabien Nouguier P6, Valentin Barraud P7, Jordi FRT P8, José Solé P9 et enfin le top 10 sera fermé par Franck Nada avec sa BMW toute noire. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, cette première manche. J'ai essayé de faire au mieux pour ne pas trop
Enfin bref, j'essaie de faire au mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je vais vous afficher le petit calendrier. Vous allez retrouver donc à partir de dimanche 24 septembre la Nissan GT-R sur Watkins Glen avec bien évidemment aux commandes du cast. Ilus qui reprendra, je l'espère pour lui en tout cas, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas internet d'ici là, qui reprendra donc le cast pour la suite de ce championnat. J'ai pas suivi non plus Gary, t'inquiète. non, ça a été, il y a eu quelques petits soucis, mais je pense que tu verras ça facilement à la commission. Donc voilà, à partir du 24 septembre, je le rappelle, hein, donc Watkins Glen en Nissan GT-R avec Ilus au cast sur tout le reste des manches, le Nürburgring le 8 octobre en Ferrari Challenge, Zolder en BMW M2 à partir du 15 octobre, Monza en Super Trofeo à partir du 25 novembre, Wansatch en Ginetta GT4 le 19 novembre et enfin la finale le 26 novembre en Porsche Cup sur Houlton Park. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ce streamer ce cast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ou pas, je ne sais pas encore. Bref, portez-vous bien, bonne soirée à tous et surtout hydratez-vous puisqu'il fait très chaud. Des bisous et à très bientôt. J'ai oublié de le dire, bien évidemment, merci aux followers pour ce soir et des bisous.